Bien faire encore en dehors dans ce noir. Oh, mais pourquoi t'inquiéter une fois dans la nuit? Et par cet orage. Oh, mais tu ne sais plus que la bulle la mouille pas. Chante maintenant. Et tu crois que c'est elle qui chante? Je ne reconnais pas sa voix. Mais qui veux-tu que ce soit? Nous sommes à 20 lieues toute maison. La voix partant tôt du milieu du lac. Tantôt du milieu de la cascade. Eh bien, c'est qu'elle est tantôt au milieu du lac, tantôt au milieu de la cascade. Nous sommes trop faibles avec elle, génie. Une fille de 15 ans. Ah, ne doit pas courir et forer à pareille heure. Je vais parler sérieusement. Elle ne peut repriser son linge qu'au sommet des rochers. Réciter des prières que la tête sous l'eau. Mais où en serions-nous aujourd'hui si tu avais eu cette éducation? Est-ce qu'elle ne m'aide pas dans le ménage? Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais que prétends-tu encore? Elle ne lave pas les assiettes, hein? Elle ne cire pas les souliers? Justement, je n'en sais rien. Oh, mais... Et elle n'est pas propre, cette table? Ce n'est pas la question, mais je te dis que je ne l'ai jamais vue ni cirer, ni laver, et toi non plus, d'ailleurs. Tu préfères travailler dehors? Oui, oui, mais qu'il y ait 3 assiettes, ou 12. Ah! 1 soulier, ou 3 paires. Cela dure le même temps, 1 minute à peine, et elle revient. Le cirage est intact. Le torchon n'a pas servi, mais tout est net. Mais tout brille. Et cette histoire des assiettes d'or, vas-tu tirer au clair? Et plus jamais ses mains ne sont sales. Tiens, tu sais ce qu'elle a fait aujourd'hui? Qu'a-t-il eu un jour, 15 ans, où elle a fait ce qu'on attendait? Elle a levé la grille du biquet. Les truites que je rassemblais depuis le printemps sont parties. J'ai juste pu rattraper celle du dîner. Et qu'est-ce que c'est encore? Oh, mais tu vas bien seulement. Et tu vas rentrer en mine. Je compte 3. Si à 3 tu n'as pas oublié, je tire le verrou et tu couches dehors. Ah, c'est ta semence, ces coups de tonnerre à la fin de tes phrases. Est-ce que c'est ma faute? Oh, dépêche-toi de finir. Tout le monde sait que tu sais compter jusqu'à 3. Ondine, 1. Oh, tu es insupportable. Ondine, 2. Ah, dépêche-toi de finir! Ondine! 3. Fini, fini, mon pauvre Augustin! Voilà, j'ai fini, nous serons en paix pour le dîner. Chevalier Hans von Wittgenstein zu Wittgenstein. On m'appelle Auguste. Je me suis permis d'attacher mon cheval dans votre grange. Le cheval, comme chacun sait, est la part la plus importante du chevalier. Je vais le bouchonner, seigneur. C'est fait! Merci. Je le bouchonne moi-même, à l'ardennaise. Si vous le bouchonnez à la suave. On est à un contre-sens, il devient terne. Puis-je m'asseoir? Vous êtes chez vous, seigneur. Quel orage, hein? Depuis midi, l'eau me ruisselle dans le cou. Bon, elle ressort par les gouttières et goûter le sang, mais le mal est fait. C'est ce que nous redoutons le plus en armure, nous autres chevaliers. La pluie. La pluie. Et une puce. Peut-être pourriez-vous l'enlever. Si vous passez la nuit ici. L'enlever? Tu as vu les écrevisses changer de carapace, cher Auguste? C'est mon métier. Eh ben, c'est aussi compliqué! Je me repose d'abord. Tu m'as dit qu'on t'appelle
Auguste. Et ma femme, Eugénie. Excusez-nous, Seigneur. Ce ne sont pas des noms pour chevaliers errants. Oh. Tu ne saurais imaginer la joie, brave femme, pour un chevalier errant qui a cherché vainement tout un mois dans la forêt Pharamond et Osmonde de tomber au moment du dîner sur Auguste et Eugénie. En effet, Seigneur. Il n'est pas séant de poser des questions à son hôte. Mais peut-être me pardonnerez-vous celle-ci. Avez-vous faim? J'ai faim. Hein? J'ai très faim. Je partagerai volontiers votre repas. Oh, mais nous ne souperons pas. Oh. Mais j'ai une truite. Ah. Peut-être la mangeriez-vous. Cela va sans dire, j'adore la truite. Ah. Moi je la veux au bleu. Au bleu. Seigneur, mais je l'ai réussi surtout. Oui, meunière avec du beurre blanc. Enfin, vous me demandez mon avis. Je n'aime la truite qu'au bleu. Au gratin, Eugénie fait des merveilles. Et enfin, c'est bien au bleu qu'on les jette vivantes dans le courbouillon. Justement, Seigneur. Et qu'elles gardent toute leur saveur parce que l'eau bouillante les a surprises. Non, surprise est le mot. Eh ben, il n'y a aucun doute. Je la veux au bleu. Bon, bah, Eugénie, fais là-haut. Bleu. Oh, mais par si au mec c'est... Bah. Eh bien, je vois qu'on aime les chevaliers errants, par ici. Nous les aimons mieux que les armées. Un chevalier errant, c'est signe que la guerre est finie. Moi, j'aime bien la guerre. Je ne suis pas méchant. Je ne veux de mal à personne. Mais j'aime bien la guerre. Chacun son goût, Seigneur. Moi, j'aime bien parler. Ah, je suis bavard de nature. À la guerre, vous avez toujours quelqu'un avec qui discuter. Si les vôtres sont de mauvaise humeur, vous faites un prisonnier. Un aumônier, ce sont les plus bavards. Vous ramassez un ennemi blessé, il vous raconte ses histoires. Tandis qu'au chevalier errant, si j'accepte les cons, je ne vois pas avec qui j'ai pu échanger un mot depuis un mois que je m'acharne à traverser cette forêt. Pas une âme. Et Dieu sait ce que j'ai à dire, hein. Eh bien alors, qui a bien pu vous pousser dans cette région dont si peu sont revenus? Mais qui veux-tu ce soir? Une femme... Je ne vous questionnerai pas, Seigneur. Oh, merci. Tu as me questionné sur le champ. Voilà un mois que je n'ai parlé à personne, sur Auguste. Je ne pense pas que maintenant que je tombe sur deux êtres humains, je vais laisser passer l'occasion de parler en forêt, hein. Allez, questionne. Seigneur. Demande-moi son nom, et vite. Mais Seigneur. Mais demande-le, demande-le, si tu désires vraiment le savoir, hein. Quel est son nom? Elle s'appelle... Bertha. Pêcheur, quel beau nom, n'est-ce pas? Oh, magnifique, en toute franchise. Les autres s'appellent Diane, Angélique, Violente. Tout le monde peut s'appeler Diane, Angélique, Violente. Mais elle seule mérite ce nom grave, frémissant, ému. Bertha! Tu veux sans doute savoir si elle est belle, chère Eugénie. Si elle est belle. On te parle de Bertha, de la comtesse. Bertha, ma pauvre femme. Est-elle belle? Eugénie, notre roi me désigne pour acheter ses chevaux. C'est pour te dire que je reste maquignon, même avec les femmes. Aucune tare ne m'échappe. L'Angélique en question a l'ongle du pouce droit cannelé. Violente a une paillette d'or dans l'œil. Tout en Bertha est parfait. C'est mon ange noir. Vous nous envoyez ravis, Seigneur. Et vous viendrez aux noces, vous, chers hôtes. Je vous invite. Bertha n'avait mis de condition au mariage que mon retour de cette forêt. Et si j'en reviens, c'est grâce à vous. Maintenant, Eugénie, va me chercher ma truite. Au bleu! Elle va trop cuire.
dis-tu, petite effrontée? Je dis, comme il est beau. C'est notre fille, Seigneur, elle n'a pas d'usage. Je dis que je suis bien heureuse de savoir que les hommes sont aussi beaux. Mon cœur n'en bat plus. Vas-tu te taire? J'en frissonne. Elle a 15 ans, chevalier, excusez-la. Je savais bien qu'il devait y avoir une raison pour être fille. Tu ennuies notre hôte. Je ne l'ennuie pas du tout. Je lui plais. Vois comme il me regarde. Comment t'appelles-tu? Ne tutoie pas un seigneur. Pauvre enfant. Qu'il est beau. Regardez cette oreille, père. C'est un coquillage. Tu penses que je vais lui dire vous à cette petite oreille? À qui appartiens-tu, petite oreille? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Hans. Aurais-tu m'en douté quand on est heureux et qu'on ouvre la bouche? On est assez, tu vas dans ta chambre. Prends-moi, emporte-moi. Voici votre triton bleu. Seigneur, mangez-la. Cela vous vaudra mieux d'écouter notre folle. Cette truite au bleu. Elle est magnifique. Hein, tu as osé faire une truite au bleu. Mère, tais-toi. En tout cas, elle est cuite. Oh, ma truite chérie. Toi qui, depuis ta naissance, nageait vers l'eau froide. Tu vas pas pleurer pour une truite. Ils se disent mes parents. Et ils t'ont prise. Et ils t'ont jeté vive dans le kipou. C'est moi qui l'ai demandé, petite fille. Vous. Nous. Qui? Vous. Lui. Moi. Vous ne comprenez rien à rien, n'est-ce pas? C'est cela la chevalerie. C'est cela le courage. Vous cherchez des géants qui n'existent point. Mais si un petit être vivant saute dans l'eau claire, vous le faites cuire au bleu. Et je le mange, mon enfant. Et je le trouve succulent. Vous allez voir comme il est succulent. Vous l'avez bien élevée. Je sais pourtant que nous la réprimandons à chaque fois. Il faut la battre. Oh, allez l'attraper, hein. L'enfermer, la priver de dessert. Non, elle ne mange rien. Elle a bien de la chance, je meurs de faim. Refaites-moi une truite. Au bleu. Rien que pour la punir. C'était la dernière, seigneur. Mais nous avons fumé un jambon. Eugénie va vous en couper quelques tranches. Elle vous permet de tuer des cochons. C'est honteux. Je ne trouve pas de jambon, Auguste. Thank you.
C'est un joli nom. Ham, c'est Ondine. C'est ce qu'il y a de plus joli comme nom au monde, n'est-ce pas? Oh. Ondine et Hans. Oh, non. Hans d'abord. C'est le garçon. Il passe le premier. Il commande. Ondine est la fille. Elle est un pas en arrière. Elle se tait. Elle se tait? Et comment diable s'y prend-elle? Hans la précède toujours d'un pas. Aux cérémonies, chez le roi, dans la vieillesse. Hans meurt le premier. C'est horrible, mais Ondine le rattrape vite. Elle se tue. Que racontes-tu là? Il y a un petit moment affreux à passer, la minute qui suit la mort de Hans. Mais ça n'est pas long. Heureusement que ça n'engage rien de parler de mort à ton âge. À mon âge? Tuez-vous pour voir, vous verrez si je ne me tue pas. Jamais je n'ai eu moins envie de me tuer. Dites-moi que vous ne m'aimez pas. Vous verrez si je ne me tue pas. Je m'ignorais. Voilà un quart d'heure. Et maintenant, tu voudrais mourir pour moi. Je me croyais brouillé à cause de la truite. Oh, tant pis pour la truite. C'est un peu bête, les truites. Elle n'avait qu'à éviter les hommes si elle ne voulait pas être prise. Moi aussi, je suis bête. Moi aussi, je suis prise. Malgré ce que ton ami inconnu, Léodore, t'a dit des hommes. Il m'a dit des bêtises. Je vois. Tu fais les demandes et les réponses. Ne plaisantez pas. Il n'est pas loin. Il est terrible. Tu ne vas pas me faire croire que tu as peur de quelqu'un ou de quelque chose. Il m'a dit que vous m'abandonneriez. Mais il m'a dit aussi que vous n'êtes pas beau. Puisqu'il s'est trompé pour ceci, il peut se tromper pour cela. Et toi? Tu es comment? Belle ou laide? Cela dépendra de vous, de ce que vous ferez de moi. Oh, je préférerais être belle que vous l'aimiez. Je préférerais être la plus belle. Tu n'es qu'une petite menteuse. Tu n'en étais que plus belle tout à l'heure quand tu me haïssais. C'est tout ce qu'il t'a dit? Il m'a dit aussi que si je vous embrassais, j'étais perdue. Il a eu tort. Je ne pensais pas à vous embrasser. Tu y penses maintenant? J'y pense. Perdument. Pense-y de loin. Vous serez embrassés dès ce soir. Mais il est si doux d'attendre. Nous nous rappellerons cet heure-là plus tard. C'est l'heure où vous ne m'avez pas embrassé. Petite Ondine. C'est l'heure aussi où vous ne m'avez pas dit que vous m'aimiez. N'attendez plus, dites-le-moi. Je suis là, les mains tremblantes, dites-le-moi. Tu crois que cela se dit comme ça? Qu'on s'aime? Parlez! Oh, ce que c'est lent, un homme. Je ne demande pas mieux que de m'être comme il faut être. Sur vos genoux, n'est-ce pas? Prendre une fille sur mes genoux? Avec mon armure, je mets 10 minutes rien que pour dévisser les épaules. Moi, j'ai un moyen pour défaire les armures. Tu es folle? Et mes bras, tu crois qu'ils s'ouvrent à la première venue? Moi, j'ai un moyen pour faire ouvrir les bras. Et pour les refermer, embrasse-moi, Hans. Tu n'as plus le choix, d'ailleurs. Aïe, je me suis coupée! Voici tes parents, Ondine. Ah, tu le connais? C'est dommage. Quoi donc, petite femme? Le moyen d'ouvrir tes bras? Excusez-nous, nous avions perdu le jambon. Je l'avais caché pour rester seule avec Hans. Mais tu n'as pas honte? Non, et je n'ai pas perdu mon temps. Il m'épouse, chers parents. Le chevalier Hans m'épouse. Arrête de dire des bêtises. Chevalier, j'ai monté une bouteille de la cave. Si vous le permettez, nous la boirons avec vous. Petite Ondine, me réveiller sera le plus difficile. J'ai le sommeil dur. Quelle chance! Dites-moi, comment on vous tire les cheveux pour vous sortir du sommeil? Comment on vous ouvre les yeux avec les mains pour que votre tête se débat?
comment on vous écarte les dents de force pour vous embrasser et vous donner le souffle. Silence, Ondine. Oh, mère, le seigneur Hans m'apprend comment on le réveille. Le faites, seigneur Hans, faites comme si vous dormiez. Avec cette bonne odeur de cuisine, impossible. Réveille-toi, mon petit Hans, Lobella, reçois ce baiser dans ta nuit et ce baiser dans ton aura. Ne lui oubliez pas de ses enfantillages, seigneur. Oui, elle est jeune, elle s'attache. Voilà ce que j'appelle du jambon. Il est fumé aux genièvres, chevalier. Ah, j'ai bien tort de te réveiller. Dès qu'il a les yeux ouverts, celui que l'on aime vous échappe. Dormez, dormez, monseigneur Hans. Je veux bien une tranche encore. Que je suis maladroite. Je t'endors au lieu de te réveiller. Et le soir, comme je me connais, je te réveillerai au lieu de t'endormir. Ah oui? Eh bien, tu feras de belle ménagère. Un peu de silence, Ondine, je voudrais dire un mot. Sur moi que je ferai une belle ménagère. Tu te crois belle ménagère car tu sais retirer du porc. Ce n'est pas ça d'être belle ménagère. Ah oui? Mais qu'est-ce que c'est? C'est d'être tout ce qu'aime mon seigneur Hans. Ses souliers, son souffle, le pommeau de sa selle. Je serai ce que tu pleures, ce que tu rêves. Ce que tu manges là, c'est moi. C'est salé à point, c'est excellent. Mange-moi. Achève-moi. Rien ton père par l'ondine. Seigneur, puisque vous nous faites l'honneur de passer dans notre maison une nuit... 10 000 nuits. Oh, 100 000 nuits. Permettez-moi de vous souhaiter le plus grand triomphe qu'ait eu jamais chevalier et de boire à celle que vous aimez. Oh, que tu es gentil, père. À celle qui attend dans les transes. Elle l'attend plus finie, les transes. À la plus belle, à la plus digne, à l'ange noir, comme vous l'appelez, à Bertha, votre dame. Que dis-tu? Ce que le chevalier lui-même a dit. Tu mens, il ment. Tu m'appelles Bertha maintenant. Il ne s'agit pas de toi, ma chérie. Le chevalier chancelle la comtesse Bertha. Il va l'épouser à son retour, n'est-ce pas, chevalier? Puis tout le monde le sait. Tout le monde ment. Non. Tiens, l'histoire de son jambon, celui-là, est une Bertha, oui ou non? Laisse-moi t'expliquer. Est-ce une Bertha, oui ou non? Oui, il y a une Bertha. Il y avait une Bertha. Si c'est vrai ce que l'autre m'a dit des hommes, il vous attire par mille pièges sur leurs genoux. Ils vous embrassent à vous écraser la bouche. Ils pêchent vous leurs mains partout où ils rencontrent votre peau. Mais cependant, ils pensent à une femme noire nommée Bertha. Je n'ai rien fait de tout cela, Ondine. Tu l'as fait sans savoir meurtri. Regardez cette morsure à mon bras, mes parents. C'est lui qui l'a fait. Vous ne croyez rien, brave Jean. Je serai ce que tu es le plus humble et le plus beau, disait-il. Je serai tes pieds nus. Je serai ce que tu bois. Je serai ce que tu manges. Tout ça, c'est pour une parole, mère. Et ce qu'il fallait faire pour lui, passer la journée jusqu'à minuit à l'éveiller. Mourir pour lui dans la minute qui suivra sa mort. M'as-tu demandé oui ou non? Ondine, tu sais que je mérite, tu sais que je crache. Écoute-moi. Je la vois d'ici la femme noire. Ce genre d'ordre est une prise au creux des rats, c'est bien connu. Pardonne-moi, Ondine. Ne m'approche pas, je me jette dans le lac. Je crois qu'il n'y a plus de Bertha, Ondine. C'est cela, trahit les Bertha, elle aussi. Mes pauvres parents rougissent de ta conduite. Oh, vous croyez bien, Seigneur. Quitte cette maison dans la seconde où jamais je n'y reviendrai. Tu osais dire tout à l'heure? Je crois qu'il n'y a plus de Bertha, Ondine. Tu mens! Adieu! Ondine! Sûrement mieux tout lui dire. Ondine, vous êtes votre fille, n'est-ce pas? Non, seigneur. Nous avions une fille. À l'âge de 6 mois, elle nous fut enlevée. Et le même jour, nous avons trouvé Ondine au bord du lac. Personne ne l'a réclamée. C'est en somme à vous qu'il faudra demander sa main. Elle nous appelle ses parents, seigneur. Je vous demande la main d'Ondine, mes amis. On ne peut avoir deux fiancés, seigneur! Cela fait beaucoup trop de mal! Oui, et puis vous avez déjà promis le mariage, seigneur! Ma chère Eugénie, je ne pense pas que même si vous me refusez Ondine, je m'en vais maintenant épouser Bertha! Permettez-moi!
nous allions dormir. Eh bien, Auguste, nous parlerons d'Ondine. Ah, demain. Si elle revient. Tu es prise cette fois, hein? Ah, mes corps! Tu ne te débats plus. Tu ne fais plus tes effets de voix et de bras. Je suis perclue de bonheur. Il a bien fallu 20 minutes. Oh, le prochain de l'enfance. Qu'attends-tu pour me dire que tu m'aimes? Voilà. Je te dis que je t'aime. Tu l'as déjà dit souvent. Je l'ai dit. À toutes celles que je n'aimais pas. Oh, Hans, je voudrais t'offrir l'univers. Et voilà que j'en retire déjà la plus belle moitié. Un jour, tu m'en voudras. Nous partirons demain. Comment? Tu veux que nous quittions déjà notre maison, notre lac? Je veux que le monde ait ce qu'il possède de plus parfait. Sais-tu pas que tu es ce qu'il possède de plus parfait? Je m'en doute. Mais le monde... a-t-il des yeux pour le voir? Et toi aussi, tu le verras. Vous ne pouvez continuer à vous ignorer l'un l'autre. C'est très beau, Ondine. Tu n'as pas peur pour cette nuit? Si. Si tu crois que je ne vois pas ce que tu penses. Évidemment, penses-tu? Elle a raison. Et je la tiendrai serrée toute la journée et toute la nuit. Mais de temps en temps, une seconde, je sortirai pour prendre l'air, aller jouer au dé... Pour aller voir mon cheval. Oui, oui, plaisante. Je suis sûre que tu l'attends, mon sommeil, pour aller le voir, ton cheval. Quand cet ange dormira, te dis-tu, cet ange que jamais une petite minute au monde je n'abandonnerai, je la quitterai une bonne grosse minute pour aller voir mon cheval. Tu l'attendras longtemps, mon sommeil. C'est toi qui va dormir. J'en doute, Ondine chérie. Le bonheur me tenait réveillée toute la nuit. D'ailleurs, il faudra bien que j'aille le voir, mon cheval. Non seulement parce que nous partons à l'aube, mais aussi parce que je lui dis tout. Ah oui? Eh bien maintenant, toi, dors. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, le roi reçoit en cette salle le chevalier de Wittgenstein. Qui s'est enfin décidé, après 3 mois de vie de mienne, à présenter sa jeune épouse à la cour. Son Altesse, en tant qu'advertissement, clôture la solennité. Chevalier Arthur, vous êtes poète et surintendant des théâtres royaux. Que nous proposez-vous? Péléas et Mélisande. Péléas et Mélisande. Mais c'est triste. Et vous nous l'avez déjà donné dimanche, pour le jour de l'an de la Margrave. Ah, c'est triste, mais... Oh.
C'est prêt. Plus près les corféas à qui la ménagerie du roi fournit les loups et les blaireaux. Oh, plus près que le Judève et d'Adam qui me demande point de costume. À toi. Oh, qui es-tu? Je suis illusionniste, votre excellence. Où est ton matériel? Mais je suis illusionniste sans matériel. Ah, qu'est-ce que tu viens faire? Je suis à votre disposition pour vous offrir immédiatement un petit divertissement personnel à titre d'essai. Je vois que tu sais aussi lire dans les pensées. Mais comme la pensée qui vous agite et celle de toute la cour n'y est que peu de mérite, excellence. Je peux comme vous, et toutes les dames de la cour le souhaitent, faire se trouver face à face un homme et une femme qui depuis 3 mois s'évitent. Ici même, à l'instant même, tu fais des illusions. Il est vrai que c'est ton métier. Illusionniste, illusionniste. Oh, 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 oh. Non. Mais réfléchis. Que l'homme en question apporte précisément le dernier soir à la toilette de sa jeune épouse et la contemple avec ravissement. La femme bafouée de son côté, adjurée par ressentiment et jalousie de ne plus paraître à la cour. Mais supposons qu'un chien vole le gant de la jeune épouse et la porte vers cette salle. Que fera les deux? Supposez que l'oiseau de la femme bafouée s'évade de sa cage et vole vers ce lieu, l'oiseau qu'elle aime. Cela ne t'avancerait guère. Vous n'aurez pas le dernier mot avec la magie, excellence. Donnez votre signal et vous verrez arriver en ces lieux Bertha, la femme rejetée, et le chevalier. Excellence, pourquoi faire cette mauvaise besogne? Oh, elle se fera un jour ou l'autre. Oh, mais prenez une moins innocente victime. Cette innocente victime, cher poète, a détourné un chevalier de ses serments. Son châtiment doit venir tôt ou tard. Allez-y, magicien. Excellence, c'est une mauvaise action. Les voici. Enfin, je te trouve. Je te tiens. Oh, pardon. Pardon. Bertha. Chevalier. Je vous ai fait très mal? Tu n'as absolument rien senti. Je suis une brute. Oui. Beau voyage de noces. Merveilleux voyage. Une blonde, n'est-ce pas? Une blonde, oui. Le soleil passe où elle passe. Nuits ensoleillées. Moi, j'aime l'ombre. Chacun son goût. Alors, vous avez dû souffrir. Le jour de votre départ, amoureux de ce chêne, de m'embrasser. Bertha! Moi, je ne souffrais pas. J'aimais bien. Ma femme est près d'ici, Bertha! J'étais bien dans vos bras. J'étais bien pour toujours. C'est vous qui avez délié ses bras, Bertha. Vous! Vous m'avez ramené sans perdre une minute, au milieu de vos amis, par vanité, pour y faire je ne sais quelle roue. Mais si vous voulez un conseil, préférez votre amour à vous-même. Ne le laissez plus s'écarter, à distance, quoi que vous puissiez croire, vos traits s'effacent. Quel qu'il soit, ne le lancez plus jamais égoïstement au loin de vous. On vous dit hautaine, n'hésitez pas à vous précipiter sur lui quand vous le verrez. Et devant toute la cour, à l'embrasser. C'était mon intention. Et même si nous étions seuls. Oh Bertha, que voulez-vous? Quel jeu jouez-vous maintenant? Lâchez cette main et tiens-moi ça! Je suis ma femme et rien ne se passera d'elle! C'est un bourreau et vous allez l'étouffer! Si la forêt m'avait englouti, vous n'auriez pas pour moi un souvenir! Maintenant je reviens heureux et mon bonheur, vous êtes insupportable! Lâchez cette oiseau! Non! Mon cœur bat à côté du mien! J'ai besoin cette minute de ce petit cœur! Ah, quel est votre secret? Avouez-le! Voilà. Vous l'avez tué. Pardon, Bertha. Mon secret, Hans, je pensais que vous l'aviez compris. C'est que j'ai cru à la gloire de l'homme que j'aimais. Que j'avais choisi depuis l'enfance. Que j'ai attiré un soir sous le chêne une petite fille, j'avais gravé son nom. Je suis brune. J'ai cru que dans cette forêt, mon fiancé serait dans ma lumière. Que dans chaque ombre, il verrait ma forme.
n'avez pas peur. Je savais qu'il serait vainqueur de la nuit, puisqu'il m'avait vaincu moi-même. Je voulais qu'il fût le chevalier noir. Pouvais-je penser qu'un soir, tous les sapins du monde écarteraient leurs branches devant une tête blonde? Voilà ma faute. Il n'en sera plus question, tant pis pour moi. Adieu. Pardon, Bertha. Donnez. Je l'emporte. Voilà! Voilà la scène que vous n'auriez eu que l'hiver prochain si vous n'aviez eu recours à mes services. Et elle est très suffisante, arrêtons-nous là! Certes pas, j'ai hâte de voir la suivante. Avançante! Laquelle? Celle où Bertha et le chevalier parlent pour la première fois, donc dit... La scène de l'an prochain, allons-y. Ah, je vous cherchais, Hans. Je vous cherchais, Bertha. Hans, il ne faut point qu'un nuage subsiste entre nous. Je ne puis être votre ami. Si je ne suis l'amie d'Ondine, confiez-la-moi ce soir. Je copie les tristes, les illustrant moi-même. Elle m'aidera à mettre l'or sur les larmes d'Ovid. Ah, c'est gentil, Bertha. Mais j'en doute. Ondine ne sait pas écrire. Oui. 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 Ondine ne sait pas lire. Que je l'envie! Quelle nonce nous allons avoir au milieu de ces pédantes ou ces dévotes! Qu'il va être reposant de voir enfin la nature même se donner insouciante à la musique et aux danseurs. Vous ne l'y verrez pas. Ondine ne sait pas danser. Vous plaisantez, Hans. Vous avez épousé une femme qui n'écrit pas, qui ne lit pas, et qui ne danse pas. Et qui ne récite pas, et qui ne joue pas de la flûte à bec, et qui ne monte pas à cheval, et qui pleure la chasse. Et que fait-elle? Elle nage. Quel ange. Mais prenez garde. Il n'est pas très bon d'être ignorante à la cour. Les professeurs pullulent. Et comment se présente-t-elle, Ondine? Comme ce qu'elle est. Comme l'amour. Elle aura le droit de tout ignorer si elle sait se taire. C'est sur ce point, Bertha, que je ne suis pas sans inquiétude. Ondine est bavarde. Et comme son seul maître a été la nature, elle tient sa syntaxe des rainettes et des liaisons du vent. Vous s'y venir l'époque des tournois et des chasses, et je tremble à l'idée des mots qu'arracheront en Ondine ces spectacles où chaque figure, chaque passe a son nom. Je l'instruis, mais sans succès. À chaque nouveau mot pour elle, à chaque terme technique, elle m'embrasse. Il y en avait 33 pour la première prise de lance que j'essayais de lui enseigner hier soir. 34. Ah oui, m'avais-je la tête. Bravo, Bertha. Vous vous êtes trompée d'un baiser? Quelle femme de chevalier au ferait un jour, Bertha. Il
absolument impossible. Changer la réception ordinaire de 3ème classe en fête nautique est pratiquement impossible. Le secrétaire des finances l'interdirait. Amener l'eau dans la piscine coûte une fortune. Je vous l'aurai gratis. N'insistez pas, même si notre roi recevait le prince des poissons, il devrait pour raison d'économie le recevoir à l'air. Je serai tellement en avantage dans l'eau. Pas nous, pas moi. Si, vous spécialement. Vous avez la main humide, dans l'eau que Dame ne verrait pas. Ma main n'est pas humide. Elle est, touchez-la. Ah, mais... Chevalier. Sentez-vous la force d'écouter un moment sans les interrompre les avis qui vous éviteront dès cet après-midi les impairs et les esclandes. Rien de plus facile. Une heure, deux heures, si vous voulez. Ah, chevalière, la cour est un lieu sacré. Pardon, une seconde. Vous êtes poète, n'est-ce pas? On le dit. Vous n'êtes pas très beau. On le dit aussi. On le dit plus bas. Est-ce que cela n'embellit point d'écrire? Oh, mais j'étais plus laid avant. Chevalier, la cour est un lieu sacré où l'homme doit tenir sous son contrôle les deux traîtres dont il ne peut se défaire. Sa parole et son visage. Prenons l'exemple que de votre innocence, vous avez choisi vous-même. Oui, ma main est humide, ma main droite, oui, depuis mon enfance. Je le sais et j'en souffre. Mais tout humide que soit ma main, mon bras est long, il touche au trône, il obtient les récompenses. Ah, les disgrâces, me déplaire et mettre en jeu sa faveur, surtout si l'on raille ma tare physique. Et maintenant, Valentine, si vous m'avez suivi, dites-moi, en femme de cour avertie, comment était ma main? Humide, comme vos pieds. Oh, mais elle n'a rien compris. Non, pas jamais. Admettons que j'ai la main humide. Quand vous aurez touché toutes les mains de la cour, peut-être serez-vous d'opinion différente. Bon, admettons-le. Et admettons que je l'admette. Mais iriez-vous dire au roi qu'il a la main humide? Sûrement pas. Ah, bravo! Parce qu'il est le roi. Non, parce qu'elle est sèche. Chevalier, je vous parle du cas où elle serait. Vous êtes impossible. Vous ne pouvez en parler puisqu'elle ne l'est pas. Mais chevalier, si le roi vous questionne, sur sa verrue. Vous dire pour vous plaire, au cas où vous auriez une verrue. Je n'aurai jamais de verrue. Vous pouvez attendre. Elle est folle, elle est insupportable. Chevalière, le chambellan essaie seulement de vous dire qu'il ne faut point faire de peine à ceux qui sont laids en leur parlant de leur laideur. Ils n'ont qu'à ne pas l'être. Est-ce que je le suis, moi? Comprenez donc que la politesse est une sorte de placement et le meilleur. Quand vous vieillirez, on vous dira grâce à elle que vous êtes jeune. Je ne vieillirai jamais. Quel enfant! Je m'aguerre. Voilà l'autre qui nous rappelle. Comme c'est dommage, nous entendions si bien. Je m'aguerre. Ne reprendons un autre jour cette leçon. J'ai juste le temps de vous apprendre la question que vous posera aujourd'hui le roi, comme à tout débutant, sur le héros dont il porte le nom, Hercule. Vous êtes la 6ème débutante de l'année. Il vous demandera donc le 6ème travail d'Hercule. Écoutez bien, je vous ferai répéter, mais je vous supplie de ne plus vous absenter de la conversation. Ah, justement, j'oubliais. Vous me plaisez. Oh, je suis confus. Mais le chambellan attend. Qu'avez-vous de si urgent à me dire? Les sources sous-marines sont ce qu'il y a de plus beau au monde. Il en est une tout près d'ici dans les temps. Allez au-dessus d'elle et regardez-y votre reflet. Vous y verrez comme vous êtes, le plus beau des hommes. Les leçons du chambellan pour Tolofrey. Arthur! Je vous rends responsable. Chevalier, quand Hercule eut tué le poisson... Hercule a tué un poisson? Ben oui, le plus grand, il est du Rotelier. Alors je me bouche les oreilles. Je ne veux rien savoir des assassins. Oh, c'est infernal. Viens vite, Hans, chérie. Ah, le
gentil. Silence, Ondine. Toi, tu es très laid et je te déteste. Je ne mens pas cette fois. Je dois parler au chambellan. Je devais parler au chambellan. Mon mariage me fait perdre mon rang à la cour. Quel méfait prépares-tu? Tu le verras. C'est pour ton bien. Oh, mon oncle, j'ai besoin de mon calme. Accorde-moi pour cette fête seulement de ne pas voir ce que les autres pensent. On y perd toujours. Qu'est-ce que je pense, Ondine? Va-t'en! Tu vas m'appeler dans une minute! Salut, chevalier! Salut, petite Ondine! What's your girls, madame? Je te reçois comme tous ceux et celles que je veux aimer, charmant enfant, dans cette salle consacrée à Hercule. Tu sais, j'imagine, combien de travaux Hercule affronta. Hein, quoi? 12 altesses. Parfait. Le chevalier souffle un peu fort, mais ta voix apparaît charmante, même pour un mot aussi bref. Il va lui être plus difficile de te souffler la description complète du 6e travail, petite Ondine. Quelle est cette femme qui veut séduire Hercule? Le charme au visage, la fausseté au cœur. C'est Bertin! Mais que dit-elle? Vous ne l'aurez pas! Je n'aurai pas! Jamais il ne sera vous, jamais! Et qu'à cet enfant! Si le roi te parle! Si vous lui dites un mot, si vous le touchez, je vous tue! Vas-tu te taire? Folle! Au roi, sauvez-nous! Te sauver de quoi, petite fille? Mais quel danger peux-tu courir en cette fête donnée en ton honneur? Excusez-la, excusez-moi! Toi, tais-toi! Tu es déjà avec elle toute! Tu es déjà sans le vouloir dans leur jeu! Explique-toi, Ondine! Oh, roi! N'est-ce pas épouvantable? Vous avez un mari pour qui vous avez tout donné au monde. Il est fort, brave, beau! Je t'en conjure, Ondine! Tais-toi! Je sais ce que je dis! Tu es bête, mais tu es beau! Et toutes elles le savent! Et toutes elles se disent! Quelle chance que tout en étant si beau, il soit si bête! Parce qu'il est beau, il sera doux d'être dans ses bras et de l'embrasser. Parce qu'il est bête, ce sera facile de le séduire. Elle est charmante. N'est-ce pas que j'ai raison, chevalier? Oh, poète, quel est votre nom, oh, vous qui me trouvez charmante? Charmante. Charmante. Mon père! Mon père! Oh, je suis une paysanne! Bien, je fais votre fille adoptive en notre palais! Ne trouvez-vous pas que c'est trop? Athès! Permettez-moi de prendre congé. Pour toujours. J'ai une femme adorable, mais qui n'est point faite pour tout le monde. Vous voyez comme ils s'entendent, ils sont la fausseté même! Bertha n'est pas fausse! Ondine! Elle est! A-t-elle jamais osé vous parler de votre... Chut! De ma filiation avec Hercule, par mon aïeul, Omphale! N'en bougez pas une seconde, petite Ondine! Non! De votre... verrue? Simplement. Où l'avez-vous trouvée? Aux colonnes d'Hercule? La cérémonie va commencer! La petite Ondine, oui, tu me plais.
mais pour ton bonheur même, suis mes conseils. Oh. Et calme-toi! Bertha est une fille douce, loyale et qui ne demande qu'à t'aimer. Ah non, erreur complète! Je te prie de te taire! Toi, tu appelles douce une fille qui tue des bouvreuils! Et quelle est cette histoire de bouvreuils? Et pourquoi Bertha irait-elle tuer des bouvreuils? Pour troubler Han! Je puis te jurer que Bertha... Mon père! Je venais de rattraper mon bouvreuil quand Hans m'a salué et m'a pris la main. Il a pressé trop fort. Il n'a pas pressé trop fort. Le poing de la plus faible femme devient une coque de marbre pour protéger un oiseau vivant. Si j'en avais un dans ma main, ma circule altesse pourrait presser de toutes ses forces. Mais Bertha connaît les hommes. Ce sont des monstres d'égoïsme que la mort d'un oiseau bouleverse. Le bourreau est en sûreté dans sa main. Elle l'a molli. C'est moi qui ai pressé trop fort. C'est elle qui l'a tué. Les invités vont arriver. Rodine, que ce soit elle, que ce soit elle ou lui, tu vas me jurer que tu laisseras désormais Bertha tranquille. Si vous l'ordonnez, c'est juré. Mais à condition que je te taise. Mais c'est toi qui parles. Elle se parle elle-même, j'entends tout. Oh, taisez-vous, Bertha. Demande pardon à Bertha, Rodine. Mes cheveux. Qu'a-t-elle à dire de mes cheveux? J'aime mieux mes cheveux en filasse, comme elle le dit, que ces nattes comme des serpents. Regardez-la, Altesse! Elle a des vipères pour cheveux! Demande pardon! Mais tu n'entends donc pas? Vous n'entendez donc pas? Elle dit que par ce scandale, je me perds moi-même, qu'une semaine de pareille bêtise m'arrachera à mon mari, qu'il n'y aura plus qu'à attendre que je meure de chagrin. Voilà ce qu'elle dit, la douce Bertha! Oh, Anne chérie, prends-moi dans tes bras devant elle. L'humilier. Ne me touche pas. Embrasse-moi devant elle. J'ai ressuscité le bouffeuil. Il est vivant maintenant dans sa cage. Une folle! Vous l'avez tué. Je l'ai ressuscité. Quelle est la folle de nous deux? Quelle est la coupable? Pauvre enfant! Vous n'entendez pas? Il chante. L'intermède du chambellan est prêt, parce que jamais l'intermède n'aura mieux mérité son nom. Laissez-moi. Je veux parler à cet enfant. Oh oui, j'ai un secret à dire à la reine. Résidez, calmez-la, chère Isolde. Tu t'appelles Ondine, n'est-ce pas? Oui. Et je suis une Ondine. Mais tu as quel âge? 15 ans? 15 ans. Et je suis née depuis des siècles, et je ne mourrai jamais. Mais pourquoi t'es-tu égarée parmi nous? Comment notre monde a-t-il bien pu te plaire? Je l'ai vu à travers le lac. Il était merveilleux. Et il est toujours depuis que tu vires de l'eau? Il est le moyen d'avoir de l'eau devant les yeux. Oh, je vois. Pour que notre monde te paraisse splendide à nouveau, tu penses à la mort de Hans. Et pour que nos femmes te semblent encore merveilleuses, tu penses qu'elles te prendront Hans. Elles vont me le prendre, n'est-ce pas? Ça m'en a tout l'air. Mais tu lui donnes trop de valeur. Mon secret, Oren, c'est là mon secret. Si elle me le prenne, il mourra. C'est épouvantable. Il mourra parce que j'ai accepté qu'il meure s'il me trompe. Mais que racontes-tu là? Est-ce la punition chez les Ondins? Oh, non. Chez les Ondins, il n'y a jamais eu d'épouse infidèle. Que par confusion ou parce que l'eau était brouillée. Mais les Ondines s'entendent pour que le trompeur involontaire ne le sache jamais. Mais alors comment peuvent-ils savoir que Hans peut te tromper? Ou comprendre le mot tromper? Ils l'ont su tout d'un coup, en le voyant. Jamais il n'y avait été question de tromperie chez les Ondins. Jamais avant la venue de Hans. Mais ils ont aperçu un bel homme à cheval, la sincérité dans sa bouche, la loyauté sur son visage. Et alors, le mot tromper a couru jusqu'au fond des Ondes. Pauvres Ondins. Et alors, tous ceux qui de Hans me donnaient confiance, son regard droit, sa parole claire, tout cela leur paraissait une hypocrisie. Il faut croire que la vertu des hommes est déjà un mensonge affreux. Il m'a dit qu'il m'aimerait toujours. Et le mot trahir est né au fond des yeux. Les poissons eux-mêmes épelaient, et chaque fois que je sortais de la cabane pour leur raconter l'amour de Hans, tous me criaient « Il te trompe! Il te trompe !» Les brochets le disaient, les ablettes le disaient.
faites-vous? Je n'ai pas encore d'opinion. De sales petits poissons, j'en sais sur les ablettes. Et ils l'ont tenté avec les ondines. Je pensais qu'il allait, à ce qu'on m'avait dit des hommes, se précipiter sur elles. D'autant que mon oncle les avait choisis, sans huit et sans aileron. Il ne les a ni touchés, ni embrassés. Ah, j'étais fière de lui. Je les ai défiés. Je leur ai dit qu'ils ne me tromperaient jamais. Mais il ricanait. Alors j'ai eu tort. J'ai fait le pacte. Mais quel pacte? Le roi, mon oncle, m'a dit: tu me permets de le tuer s'il te trompe? Si je disais non, c'était humilier Hans devant eux. J'ai dit oui. Oh, mais ils oublieront. Ils changent mon avis. Oh, ne croyez pas cela. C'est tout petit dans l'univers, le milieu, où l'on oublie, où l'on pardonne, où l'on change d'avis. L'humanité, comme vous dites. Chez nous, c'est comme chez le fauve, les feuilles du frêne. Il n'y a ni renoncement, ni pardon. Mais quelle prise ont-ils sur lui? Tout ce qui est l'onde, l'eau, maintenant surveille Hans. S'il s'approche d'un puits, soudain le niveau monte. Si la pluie tombe, elle tombe deux fois plus dense sur lui. Il est furieux. Vous verrez, dès qu'il passe près des jets d'eau du jardin, il s'élève de courroux jusqu'au ciel. Veux-tu mes conseils, chère petite ondine? Crois-moi, va-t'en, sauve-le. Oh, reine, c'est que je ne le sauverai pas en partant. Si je retourne chez les ondins, mon oncle voudra que j'épouse l'un d'eux. Je refuserai. De colère, il tuera Hans. Non, c'est sur la terre que je dois sauver Hans. C'est sur la terre que je dois trouver le moyen de cacher à mon oncle qu'il me trompe. Si un jour il ne m'aime plus. Mais il m'aime encore, n'est-ce pas? Oh, mais sans aucun doute. Et de toutes ses forces. Alors, pourquoi chercher? Nous l'avons le remède. Chaque fois que je voulais détourner Hans de Bertha, il prenait son parti. Je vais agir tout au contraire. 20 fois par jour, je lui dirai qu'elle est belle, qu'elle a raison. Alors, elle lui sera indifférente. Elle aura tort. Bertha viendra habiter avec nous dans le château de Hans. Ainsi, ils passeront toute leur vie ensemble. Ce sera comme si elle était loin. Alors, je serai tout pour Hans. Oh, comme je comprends les hommes, n'est-ce pas? Tel est mon remède. Mais, Reine Isotte, que faites-vous? Oh, mais Isotte te dit merci. Merci pour la leçon d'amour. Que le ciel juge. Laissons faire les recettes d'ondine. Oui, je suis une ondine. Oh, et le filtre des 15 ans? 15 ans. Et je suis née depuis des siècles. Et je ne mourrai jamais. Les voici. Quel bonheur. Mon enfant! J'avais raison. Mais puisqu'on ne demande pardon que lorsqu'on a tort, j'avais donc tort, Bertha. Très bien, Ondine chérie. Très bien! Très bien! Mais elle pourrait me répondre. Comment? Comment? Je suis là, abaissée devant elle. Moi qui suis tellement plus haute, humiliée devant elle. Moi qui suis pleine de fierté. Et elle ne me répond même pas. Bertha, cet enfant reconnaît ses torts. Ne prolonge pas un incident pénible pour chacun d'entre nous. Entendu. Je lui pardonne. Merci, Bertha. À condition qu'elle porte ma traîne dans les cérémonies. Oui, Bertha, ma traîne de 12 pieds. Plus de pieds me sépareront de vous, plus je serai contente. Bertha. Qu'elle ne m'appelle plus Bertha, mais Altesse. Tu as tort, Bertha. Et qu'elle reconnaisse publiquement que je n'ai pas tué le bouvreuil. Je le dirai. Ah, c'est trop cool. Ce sera un mensonge. Vous voyez cette impudence, mon père? Vous n'allez pas recommencer. Son Altesse. Bertha n'a pas tué le bouvreuil. Hans, en ne prenant pas sa main, Hans n'a pas pris sa main. Hans, en ne la prenant pas, ne l'a pas pressée. Elle m'insulte! Son Altesse! Bertha ne passe pas son temps à crever les yeux de ses bouvreuils pour qu'il chante. Le matin, en sautant du lit, son Altesse, Bertha, ne pose pas ses pieds sur un tapis fait de 5000 bouvreuils morts! Mon père! Souffrez-vous de me voir ainsi injurié devant vous? Pourquoi la provoques-tu? Tu parles à la fille du roi Ondine! À la fille du
roi? Tu veux savoir qui elle est là? Fille du roi? Vous devez savoir, vous tous, qui tremblez devant elle. Amandine, tu me rappelles qu'être roturière est un vice. Roturière? Cher aveugle, tu veux savoir laquelle est la roturière? Tu la crois née de tes héros, ta Bertha. Mais je connais ses parents. Ils sont pêcheurs sur le lac. Ils ne s'appellent ni Péléas ni Mélisande. Ils s'appellent Auguste et Eugénie. Hans, faites la terre ou jamais je ne vous revois ma vie. Suis-moi. Voilà. La preuve. Bertha est la vraie fille du pêcheur Auguste. C'est gravé sur son visage. Non. Il doit sentir le poisson. Bertha est l'enfant que j'ai mis. Attends, demander à Dieu. Oh Dieu, je vous demande moi de me faire orpheline. Hontaise fille, voici à quoi je devais ta tendresse. À mon trône, tu n'es qu'une parvenue et d'une ingrate. Demande pardon à tes parents et Andine. Jamais. À ton aise, si tu ne m'obéis point, tu finiras ta vie dans un couvent. Elle est finie, ma vie. Pardon, Bertha. Laissez-moi. Nous ne vous abandonnerons pas, Bertha. Où puis-je aller? Je n'ai plus rien. Venez avec nous. Oui, on dit la raison, venez avec nous. Nous ne voulons plus vivre à la cour. Venez avec nous dès ce soir. Mon château est vaste. Vous y vivrez comme vous l'entendrez. Dans la qui donne sur le lac, ou celle qui donne sur le Rhin, ou dans le pavillon près des cascades. Un lac, le Rhin, ou des cascades. Moi, je serais heureux. Un lac, le Rhin, des cascades. Oh Hans, tu n'as pas un château sur des plaines sans étangs ni sources? Allez Bertha, je vous rejoins. Cette peur de l'eau, Andine. Qu'y a-t-il entre toi et l'eau? Entre l'eau et moi? Rien. Si tu crois que je ne te vois pas, tu ne me laisses plus approcher d'un ruisseau, tu te mets entre la mer et moi. Si je m'approche de la margelle d'un puits, tu m'entraînes plus loin. Prends garde à l'eau, Hans. Oui, mon château est au milieu des eaux. Et le matin, je prendrai ma douche sur ma cascade. À midi, je pêcherai sur le lac, et la nuit, je plongerai dans le Rhin. Si l'eau pour me faire peur, elle se trompe. Elle ne comprend rien. Elle n'entend rien. Longue vie à Bertha, vive la mariée. Longue vie à Bertha, vive la mariée. Longue vie à Bertha, vive... Assez! Pourquoi cette colère, Hans, en un pareil jour? Je vais être ta femme et tu fais ce visage? Tu parles envers toi aussi?
entrer. Toi, tu sais tout, David Einstein. Apprends encore ceci. Le jour où le malheur devra leur rendre visite, les serviteurs se mettent à parler un langage solennel. Leurs phrases sont rythmées, leurs mots sont nobles. Tout ce que tes poètes se réservent en ce monde passe désormais aux lavandières, aux palefreniers. Le jour où les Wittgenstein entendent l'un d'eux parler avec des rimes, c'est que la mort est là. Depuis 6 mois, Rodine a disparu, tu n'as pu l'oublier. En tout cas, c'est le jour aujourd'hui pour l'oublier. Moins que jamais. Mais elle m'a menti. Elle ne t'a pas menti. Tout autre que toi aurait deviné qu'elle n'était pas des nôtres. Est-ce qu'elle s'est plainte une seule fois? Est-ce qu'une seule fois elle a dit non à ta volonté? Est-ce qu'une seule fois tu l'as vue en colère ou malade? Mais à quoi ne te reconnais plus les femmes? Parce qu'elle trompe! Elle m'a trompé! Toi seul ne voyais pas. Toi seul n'avais pas remarqué qu'elle n'employait jamais le mot femme. Tout en elle disait je suis une Ondine! Oublie Ondine! Me le permet-elle? Ce cri par lequel j'ai été réveillé le matin de sa fuite. Je t'ai trompé avec Arthur! Il célèbre tous les matins des sources, des puits, des fontaines, des cascades! Pourquoi s'acharne-t-elle à proclamer au monde qu'elle m'a trompé avec Arthur? Avec Arthur... Voyons, voyons, Hans. Nous l'avions déjà trompée elle-même, juste après votre mariage, il y a 6 mois. Et l'enfant que je porte, ton fils, en est la preuve. Peut-être nous a-t-elle surpris et elle s'est vengée. Où est-elle? Que fait-elle? Tous mes pêcheurs, tous mes chasseurs sont en vain à sa poursuite depuis 6 mois. Je t'ai trompé avec Arthur. Avec Arthur... Chevalier, chevalier, nous l'avons éprise! Quoi? On dit éprise? Et dans le rang pendant qu'elle chantait. Et comme les coqs de brière, on peut s'approcher quand elle chante. C'est elle! Vous en êtes sûr? Assuré et certain, elle a rabattu ses cheveux sur son visage. Mais sa voix est merveilleuse! Sa peau est de velours! Et faites ta ravie, c'est bien elle, le monstre! Laisse-nous, Bertha. Hans, ne revois pas Ondine! Un instant encore, nous serons en paix. Chevalier! Chevalier. Il nous serait précieux, puisque vous êtes demandeur, de savoir quel châtiment vous réclamez pour l'accusé avant de l'introduire. Ce que je réclame. Mais je réclame le droit pour les hommes d'être un peu seuls sur cette terre. Au matin de mon mariage, être seul avec ma fiancée. Enfin seul. Voilà l'accusé. Les mains ne sont pas palmées. Elle a une bague. Enlevez-la! C'est un anneau de mariage, j'en ai besoin dans l'heure. Et le collier aussi. Ce médaillon contient mon portrait. Laissez-moi le collier. Chevalier, puis-je vous demander la conduite des débats? Votre indignation, toute justifiée soit-elle, risque d'y introduire la confusion. La procédure d'identification d'abord. C'est elle. Nous allons examiner le corps de cette fille. Personne n'est Ondine. Nous sommes des praticiens hors pair, Seigneur. Je certifie que cette personne est Ondine. Cela suffit. Nous pouvons... sans la toucher, étudier à la loupe les parts de son corps où s'amorcent les différenciations avec le corps humain. Mais je jamais nu. Et votre place. Ne pourrait-elle au moins marcher devant nous? Enlever ce filet. Écartez les jambes! Ne bouge pas, Ondine. Ça va, oui? Oui, ça va. Pas
Passons donc au débat. Ainsi, vous, chevalier, vous accusez cette fille d'avoir, par sa qualité et sa présence d'ondine, causé dans votre entourage 1000 perturbations. Moi ? Pas du tout. Vous ne l'accusez pas d'avoir introduit chez vous le bizarre, le surnaturel, le démoniaque. Ondine, démoniaque, mais qui dit cette bêtise ? Nous interrogeons, chevalier, qu'a-t-il d'anormal dans cette question ? Ondine, démoniaque, qui es-tu toi ? Fais-le taire, il ment ! Oh, la parole est libre en pareil procès. Ondine, démoniaque, mais cette Ondine-là, au contraire, renie les Ondines. Elle les a trahies. Elle pouvait garder leur force, leur science, leur pouvoir. Elle pouvait faire 20 fois par jour ce que vous appelez des miracles. À sa voix, le Rhin, le ciel pouvait répondre et faire des prodiges. Et qu'a-t-elle fait ? Elle a accepté l'entorse, le rhume des foins. La cuisine au lard. La cuisine au lard. Est-ce vrai, chevalier ? Vous l'accusez donc, si je vous comprends bien, d'avoir revêtu hypocritement l'apparence la plus favorable et la plus flatteuse pour dérober les secrets humains. Moi ? Jamais ! Vos secrets ! Si quelqu'un s'en moquait des secrets humains, c'est bien elle. C'est la femme la plus humaine qu'il y ait. Justement. Et nous voilà au cœur de l'affaire. Je vous comprends enfin, chevalier. Femme. Ce seigneur accuse d'avoir introduit dans son logis, au lieu de la femme aimante à laquelle il pouvait prétendre, un être égoïste et insensé. Ondine, ne pas m'aimer. Mais qui ose le prétendre? Il est vraiment difficile de vous suivre, chevalier. Ondine m'a aimé. Comme aucun homme n'a été aimé. Mais en êtes-vous si sûr? Regardez-la, à vous entendre, elle tremble! De peur! Va voir cette peur avec ta loupe! Juge! Elle tremble d'amour. Puisque c'est mon tour d'accuser, j'accuse. J'accuse cette femme de trembler d'amour pour moi, de n'avoir que moi pour penser, pour nourriture, pour Dieu! Je suis le Dieu de cette femme, entendez-vous? Chevalier! Vous en doutez? Ah, mais tout cela m'a-t-il, chevalier? Nous avons un jugé inondé, et non pas l'amour. C'est pourtant là le procès. J'accuse l'amour le plus vrai d'être ce qu'il y a de plus faux. Cette femme qui ne vivait que d'amour pour moi m'a trompé avec Arthur. Avec Arthur? Chevalier, une femme qui vous aime à ce point ne peut vous avoir trompé. Réponds-toi. M'as-tu trompé avec Arthur? Oui. Jure-le devant le juge. Je jure que je t'ai trompé avec Arthur. Tu n'aimes que lui. Lui seul existe. Et tu l'as trompé avec Arthur. Voilà. Vous savez tout. Tu sais quel est le châtiment de la femme adultère? Oui. Mais je l'ai trompé avec Arthur. C'est à moi que tu t'adresses, n'est-ce pas, Ondine? C'est moi que tu prends à partie? Très bien, à ton aise. Où as-tu trompé ton époux avec Arthur? En forêt. Le matin, le soir. À midi. Il faisait froid, il faisait chaud. Il gelait. Très bien. Amenez-moi Arthur. De la confrontation n'est toute la vérité. Arthur a disparu depuis 6 mois. La justice humaine a pu le retrouver. Ah, c'est qu'elle n'est vraiment pas forte. Le voici. Arthur, j'aurais bien aimé. Vous êtes le chevalier Arthur? Oui. Cette femme affirme qu'elle a trompé le chevalier avec vous. Oh, si elle le dit, c'est vrai. Où était-ce? Dans sa propre chambre ici même. Le matin, le soir. À minuit? Il faisait froid, il faisait chaud. Oh, nous avions très chaud. Parfait! Tout est clair maintenant. Pourquoi douter de nos paroles? Seuls les faux coupables qui s'entendent répondent par les mêmes mots. Demande-lui de t'embrasser. Ondine, nous te croirons si tu le laisses t'embrasser. Très bien.
ton aise. Embrasse. C'est moi. Arthur. Vous le voulez? Je l'exige. Attendez, Arthur, une petite minute. Si, quand vous approchez, je crie, ce sera sans le vouloir. N'y faites pas attention. Ne puis-je avoir un manteau, une robe? Non, reste comme tu es. Tant mieux, j'adore quand tu m'embrasses en caressant mes épaules. Ou si quand vous me prendrez dans vos bras, je sursaute sous les nerfs, ne m'en faites pas. Décidez-vous! Ondine. Ou si je me fais douiller. Oh oui, Arthur, si je me manœuvre, vous pourrez m'embrasser comme vous voudrez. Il est temps! Et voilà la preuve, juge. Pour le chevalier et pour moi, le procès est fini. Quelle preuve? Si je crie Hans à tout propos, c'est justement que je n'aime plus Hans. C'est que son nom s'évapore de moi. Hans, Hans. Et comment n'aimerais-je pas Arthur? Regardez-le, il a la taille de Hans, le front de Hans. Le tribunal parle. Cette fille, Ondine, a eu le tort de quitter sa nature. Mais il se révèle qu'elle n'apporta ici que bonté et amour. Un peu trop. Pourquoi elle voulut nous faire croire à sa liaison avec Arthur? C'est ce qui nous échappe et que nous ne rechercherons point. Elle aura le cou tranché cette nuit, sans témoin. Et jusque-là, nous désignons pour son gardien cet homme du peuple, en remerciement pour son aide à notre justice. Et puisque le cortège nuptial attend devant la chapelle, permettez-moi d'aller faire la fête avec vous. Avec vous aussi. La fin, Ondine. Ne le tue pas. Notre pacte le veut. Il t'a trompé. Oui, il m'a trompé. Oui, j'ai voulu te faire croire que je l'avais trompé la première. Mais ne juge pas les sentiments des hommes avec nos sentiments. Souvent, les hommes qui trompent aiment leurs femmes. Il va mourir, Ondine. Sauve-le! Que t'importe? Toi, tu n'en as plus que pour quelques minutes à avoir une mémoire humaine. Tes sœurs t'appelleront trois fois et tu oublieras tout. Je veux bien t'accorder qu'il meure à la seconde même où tu oublieras. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de le tuer. Il est à fin de vie. J'ai cédé ma place à Bertha. Tout s'arrange pour lui. Mais tout déjà tourne dans sa tête. Il a dans le cerveau la musique de ceux qui vont mourir. Il n'est pas près de Bertha. On l'attend en vain à l'église. Il est près de son cheval. Et son cheval aujourd'hui lui parle en vers. Je ne te crois pas. C'est son mariage. Mais il se moque bien du mariage. Il erre dans le château. Il se parle à lui-même. C'est la façon pour les hommes de s'en tirer. Ils sont soudain logiques. Ils n'épousent pas celles qu'ils n'aiment pas. Ils ont le raisonnement des plantes, des gens et des dieux. Ils sont fous. Il me maudit. Il est fou. Il t'aime. Moi, je m'appelle Hans. C'est un joli nom. Ondine et Hans, ce qu'il y a de plus beau comme nom au monde, n'est-ce pas? Ou Hans et Ondine? Ah non. Ondine d'abord. C'est le titre, Ondine. De ce conte, je
Je parais, ça et là. Bête, comme un homme. Pardonne-moi, Hans. Pourquoi se trompe-t-elle toujours ainsi? Qu'elle s'appelle Mélisande, Juliette, Ondine. Des vrais hommes faits pour l'amour. Ce sont mes petits professeurs à gros nez. Les rentiers, gras, avec des lipes. Ceux-là ont le temps d'éprouver, de jouir, de souffrir. Mais non, elles fondent sur un pauvre chevalier Hans, un misérable humain moyen. C'en est fini pour lui désormais. Ce n'est pas très juste. Adieu, Hans. Et voilà. Un jour, elles partent. Le jour où tout devient clair. Vous comprenez que vous n'avez jamais aimé qu'elle. Que vous mourrez si elle partait. Le jour où vous les retrouvez. Où tout est retrouvé pour toujours. Ce jour-là, je vous dis adieu. Je vais perdre la mémoire, Hans. Et un vrai adieu, l'entendez-vous? Mon Dieu. Et Hans. Partent, chacun de son bord, pour l'éternité. Tâche de vivre. Tu oublieras aussi. Tâche de vivre. C'est facile à dire. Comme si cela m'intéressait de vivre. Depuis que tu es parti, tout ce que mon corps faisait de lui-même, il faut que je lui ordonne. Un moment d'inattention et j'oublierai d'entendre, respirer. Tu venais me dire, Ondine, pourquoi t'es-tu laissée reprendre? Pour te dire que je serai ta veuve, Ondine. Et voilà. Je serai le premier Wittgenstein à ne pas avoir de veuve qui porte mon deuil. Il n'y aura qu'une Ondine, toujours la même, qui m'aura oubliée. Cela non plus n'est pas très juste. Mais justement, j'ai pris mes précautions. Tu me reprochais de ne pas varier mes allées et venues et mes gestes dans ta maison, de marcher à pas compter. C'est que j'avais prévu ce jour où il me faudrait, sans mémoire, redescendre au fond des eaux. Je dressais mon corps, je l'obligeais à un itinéraire immuable. Au fond du lac, même sans mémoire, il ne pourra que répéter les moments que j'avais auprès de toi. Qu'as-tu ? De voir le ciel bleu. Continue. Les ondines m'appelleront humaine. Parce que je descendrai des escaliers dans les eaux. Parce que je feuilleterai des livres dans les eaux. Parce que j'ouvrirai des fenêtres dans les eaux. Tout déjà se prépare. Tu n'as pas retrouvé mes lustres, ma pendule, mes meubles. C'est que je les ai fait jeter au fond du lac. Ils ont leur place, leur étage. Et ce soir, hélas, je les retrouverai. Je ne saurai au juste ce qu'ils veulent dire, mais je vivrai autour d'eux. Ce sera bien extraordinaire si je ne me sers pas d'eux. J'aurai notre chambre au fond des eaux. Merci, Ondine. Ainsi, séparés par l'oubli, la mort, les races, les âges, nous nous entendrons bien. Nous nous serons fidèles. Il te réclame. Il doit m'appeler trois fois. Je n'oublierai qu'à la troisième. Oh mon petit Hans,
elle aussi. Un grand froid. Une grande pâleur m'appelle. Reprends cet anneau. Sois ma vraie veuve. Fond des eaux. Vite, questionne-moi. Qu'as-tu dit ? Dis. Le premier soir où je t'ai vue, passant la porte, dans l'orage. J'ai dit, comme il est beau. Quand tu m'as surpris, mangeant la truite au bleu. J'ai dit, comme il est bête. Qu'as-tu dit ? Comme j'ai dit, pense-y de loin. J'ai dit, nous nous rappellerons cette heure-là plus tard. C'est l'heure. Vous n'avez pas en passé. Nous ne pouvons plus nous offrir ces plaisirs de l'attente. Ondine, embrasse-moi. Ondine. Vite, questionne, en moi déjà tout ce trouble. Il faut choisir, Ondine. Parler. Ou m'embrasser. Tu me tais. C'est la terre, Ondine. Quittons-la, vite. Oh oui, quittons-la. Attends. Quel est ce beau jeune homme étendu ? Qui est-il ? Il s'appelle Hans. Quel joli nom. Qu'a-t-il à bien bouger ? Il est mort. C'est le moment, Ondine, partons. Si elle me plaît, elle ne veut pas lui rendre la vie. Impossible.